C'est notre dernière interview dans le cadre des Tribunes de la Presse, ce festival qui nous a régalé pendant 3 jours d'intervenants qui nous ont permis de prendre de la hauteur par rapport à l'actualité. Alors Sophie Binet, c'est avec vous que l'on va parler de ce monde de demain. C'était la thématique de ces 10e Tribunes de la Presse. Un monde de demain qui sera ou ne sera pas social. Est-ce qu'on peut imaginer un monde de demain à deux vitesses? On a vu avant l'épidémie actuelle, la crise des gilets jaunes. On n'a pas l'impression qu'elle ait été réglée avant l'épidémie. Et maintenant, on nous alerte sur une multiplication des personnes bénéficiaires de repas d'urgence. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Ben oui, c'est-à-dire le monde d'après, on en a beaucoup entendu parler pendant le premier confinement, il tarde à se concrétiser. Là, ce qu'on voit, c'est plutôt le monde d'avant avec ses défauts, le monde d'avant en pire en fait, avec une augmentation de la pauvreté et de la précarité, une augmentation du chômage, et même pour les cadres et professions intermédiaires, une stagnation salariale, une absence de reconnaissance de leur investissement dans le travail, et des plans sociaux qui commencent à concerner beaucoup des ingénieurs cadres, professions intermédiaires et qui sont même très inquiétants sur l'avenir, sur la capacité de la France à peser au niveau international pour l'avenir. Je vais prendre quelques exemples. Quand on assiste au démantèlement de Nokia, qui est le seul acteur en France qui développe la 5G, bien sûr, il y a un problème pour les 1000 ingénieurs cadres qui sont licenciés, mais il y a un problème d'avenir sur notre capacité à peser sur cette technologie. Donc là, ce qu'on observe, c'est que, étant donné qu'il n'y a pas de pilotage fort de la puissance publique pour résoudre ces inégalités et résoudre les problèmes qui ont été flagrants pendant la crise sanitaire, ces problèmes ne font que s'aggraver. On a vu pendant la crise qu'on avait un problème de souveraineté industrielle. On nous a beaucoup parlé de relocalisation. Aujourd'hui, non seulement les relocalisations, on n'en voit pas la couleur, mais en plus, on a des grands groupes industriels qui sont en train de se démanteler sur leur aspect recherche et développement, ce qui est très inquiétant sur la capacité de la France à peser. Et puis, on a un plan de relance à deux vitesses, c'est-à-dire que c'est le quoi qu'il en coûte pour sauver l'économie, les grands groupes et permettre au capital et aux actionnaires de maintenir leurs marges. Mais par contre, pour les salariés, les privés d'emploi, les jeunes et les étudiants, là, c'est la précarité à tous les étages. Alors, est-ce qu'il y a une responsabilité politique ou bien est-ce que finalement, c'est la crise, il y a une épidémie, on réduit la casse, on fait ce qu'on peut et finalement, ce n'est pas forcément de la faute des décideurs politiques? Oui, il y a une responsabilité politique qui est centrale parce que ce plan de relance, on met beaucoup d'argent sur la table et le problème, c'est que cet argent n'est pas conditionné, qu'il n'est pas conditionné à l'arrêt du versement des dividendes, qu'il n'est pas conditionné à l'arrêt des licenciements, qu'il n'est pas conditionné à des objectifs environnementaux. Et donc, on voit qu'on fait exactement les mêmes erreurs qu'en 2008, quand on a sauvé à grands frais les banques sans mettre aucune condition. Et derrière, c'est le contribuable qui a été mis à contribution avec des plans d'austérité très violents pour payer l'éponge créée, pour éponger la dette créée par les banques. Et là, la grosse inquiétude qu'on a, c'est que ce même scénario se reproduise et qu'on ne tire aucune leçon de la crise, voire même que la crise soit instrumentalisée pour augmenter les reculs sociaux. Donc il faut que là, il y ait une prise de conscience qui se fasse. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment une forme d'impuissance, justement, vous représentez la CGT, des organisations qui essayent de se mobiliser? Quand même, la crise des Gilets jaunes a été très longue et il y a des gens qui se sont essoufflés au bout d'un moment en disant on a beau se mobiliser, ça ne change rien. Donc là, on continue, on dit il faut se mobiliser, il faut prendre conscience. Bon, une fois que ça s'est fait, si ça change toujours rien, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème, c'est qu'il y a depuis 20 ans une culture du passage en force qui s'est mise en place au plus haut sommet de l'État, notamment depuis 2010, hein, c'est ça qui a fait la bascule. Effectivement, le gouvernement et le patronat peuvent passer en force, derrière, ils le payent électoralement. Et là, nous, la grosse inquiétude, c'est que qui est-ce qui est en embuscade derrière? C'est le Front National et l'extrême droite. Et donc, il faut arrêter à jouer avec le feu, parce que ce passage en force et le fait qu'on refuse d'entendre les organisations syndicales et d'entendre les mobilisations sociales, ça alimente directement l'extrême droite. C'est très dangereux pour l'avenir de notre pays. Est-ce que les syndicats arrivent encore à mobiliser, à être représentatifs, à embarquer justement ces populations qui sont peut-être lassées d'être mobilisées et qui ne voient rien changer?
À mobiliser, oui, on voit qu'on continue à réussir à le faire. C'était il y a moins d'un an, la mobilisation contre la réforme des retraites qui a été très forte. Donc, on a une capacité de mobilisation qui reste intacte. Après, et une petite ligne dans un texte et hop, ça passe discrètement pendant l'épidémie. Hop, on franchit un... Ben, justement, la réforme des retraites, le gouvernement a été obligé de la suspendre sine die. Et ça, c'est bien grâce à notre mobilisation. Donc, on voit bien que les mobilisations sociales ne servent pas à rien. Pareil, là, ce qui est en train de se passer chez les journalistes avec la mobilisation pour défendre la liberté d'informer et le droit de filmer des policiers, on voit que le pouvoir est en train de bouger sur ce point et qu'ils ne peuvent pas passer en force sur tout. Donc oui, ça sert toujours à quelque chose de se mobiliser. Oui, on peut faire bouger les lignes. Et par contre, j'en appelle à la sagesse des dirigeants. Il faut arrêter de jouer avec le feu. Il faut écouter les mobilisations sociales et les organisations syndicales parce que là, ce qui se prépare sinon est très inquiétant, très dangereux. On a vu ce qui se passait aux États-Unis avec un Donald Trump qui a été à deux doigts de se faire réélire malgré des propos, une politique ouvertement raciste et sexiste. En France, on sait que ça peut se produire, que ça n'arrivera pas tout seul, que ça arrivera sur le terreau d'une politique injuste socialement qui n'écoute pas les mobilisations sociales. Donc les responsabilités doivent être tirées. Merci en tout cas pour votre témoignage. C'était la fin de notre collaboration avec ces tribunes de la presse pour 2020. On espère vous retrouver en 2021. Vous pouvez voir et revoir toutes ces interviews sur www.tv7.com.